Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priyar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de notre étude de la semaine dans notre programme Viens chez moi, où nous avons découvert et découvrons les livres de Enos, Jarom, Omni, Parole de Mormon, des livres très courts dans le livre de Mormon. Dans notre première vidéo, nous nous sommes principalement attardés sur le livre d'Enos parce que nous avons vu qu'il y a tellement de choses que nous pouvons apprendre d'Enos, et notamment le pouvoir de la prière pour nous aider à nous repentir, à revenir sur le chemin des alliances, les principes d'un bon parent qui peuvent nous aider à être de bons parents. Et j'espère que vous avez pu retrouver ces choses dans votre lecture et davantage dans votre étude personnelle. Aujourd'hui, nous allons voir Jarom, Omni et les Paroles de Mormon, qui sont aussi tous des livres très courts et chacun ne comportant qu'un seul chapitre. Le livre de Jarom a été écrit par le fils d'Enos, qui devient ensuite le prochain prophète et chef des Néphites. Excusez-moi. Jarom était manifestement un homme juste qui, selon le verset 2, avait l'esprit de prophétie et de révélation. Mais il décide de ne pas consigner ses prophéties et révélations parce qu'il estimait que ses pères avaient suffisamment couvert le plan du salut dans leurs écrits. Le livre de Jarom est le livre le plus court du livre de Mormon et, en termes de temps, couvre environ 59 ans de l'histoire néphite, d'environ 420 avant Jésus-Christ à 361 avant Jésus-Christ. Le livre d'Omni couvre cependant une très grande partie de l'histoire néphite, de 361 avant Jésus-Christ à 130 avant Jésus-Christ. Ainsi, 231 années de temps s'écoulent dans ce très court livre et Omni n'est pas le seul auteur de ce livre. En fait, j'ai presque l'impression qu'Omni ne mérite pas vraiment d'avoir un livre qui porte son nom dans le livre de Mormon parce qu'il n'écrit que trois versets et dans ces versets, il nous révèle qu'il est un homme méchant qui n'a pas observé les statuts et les commandements de Dieu, le Seigneur, comme il aurait dû le faire. On dirait presque qu'à la fin de sa vie, il prend les plaques rapidement, il écrit quelque chose et puis les transmet à son fils parce que, eh bien, c'est ce qu'il était censé faire. On a vraiment l'impression dans le livre d'Omni que l'objectif de la tenue des registres et des plaques a en quelque sorte été perdu. Il y a cinq écrivains différents dans le livre d'Omni et les suivants sont presque, je dirais, les plaques sont transmises d'une personne à l'autre sans vraiment de réflexion ni de substance dans leurs mots. En fait, si on regarde, on jette un rapide coup d'œil au verset 9, nous voyons un homme nommé Shemish qui écrit son seul verset dans le livre de Mormon. Et pourtant, on y trouve un message profond. Il dit ceci: Maintenant, moi, Shemish, j'écris le peu de choses que j'écris dans le même livre que mon frère, car voici, j'ai vu que le dernier qu'il a écrit, c'est qu'il l'a écrit de sa propre main. Et il l'a écrit le jour où il me les a livrés. Et c'est de cette manière que nous tenons les registres, car c'est selon les commandements de nos pères. Et je mets fin. Grandes étaient les paroles de Chémis. Même si je pouvais changer quelque chose dans le livre de Mormon, je changerais probablement le nom du livre d'Omni en livre d'Amaléki, car il y a en réalité quelque chose de précieux à partager avec nous dans ce livre. Il nous renseigne sur l'histoire néphite qui va préparer le terrain pour ce qui va se passer à Mosia. Il nous apporte également quelques éclaircissements spirituels. Les paroles de Mormon, le livre des paroles de Mormon, finalement, c'est une sorte de flash-forward. Vous avez peut-être entendu d'un flashback, mais ce petit livre est un flash-forward parce que nous sautons de 130 avant Jésus-Christ jusqu'en 385 après Jésus-Christ, jusqu'à l'époque de Mormon qui, à cette époque, eh bien, compile et abrège l'histoire des Néphites dans ce qui deviendra ce que nous connaissons sous le nom du livre de Mormon. Personnellement, je ne ressens pas le besoin d'entrer dans tous les tenants et aboutissants de la façon dont le livre de Mormon a été compilé, des petites et des grandes plaques et de ce qui a été trouvé sur chacune d'elles. Si vous voulez une explication de la façon dont tout cela s'articule, je vous recommande de lire une brève explication sur le livre de Mormon dans les pages d'introduction.
Mais il me suffit de dire que les paroles de Mormon sont une déclaration explicative faite par Mormon pour nous informer qu'il avait décidé d'inclure ce récit des petites plaques de Néphi après avoir abrégé une partie des grandes plaques. Il nous dit qu'il fait cela dans un but sage, mais il est évident qu'il n'est pas exactement sûr de ce qu'est ce but, mais simplement que l'esprit l'inspire et le pousse à le faire. Alors avec ces livres, j'aimerais que l'on découvre quelques vérités tirées de ces petits livres et mette en évidence un seul joyau des Écritures caché dans chacun de ces petits livres. Alors voici quelques versets que j'aimerais partager avec vous. Jérôme chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi les prophètes et les prêtres et les instructeurs travaillaient diligemment, exhortant toute longanimité le peuple à la diligence, enseignant la loi de Moïse et le but dans lequel elle était donnée, le persuadant d'attendre le Messie et de croire en lui qui était à venir comme s'il l'était déjà, et c'est de cette manière qu'il l'instruisait. Que nous enseigne ce verset sur l'enseignement dans l'Église? Je crois personnellement que c'est un excellent verset sur ce qui fait un instructeur de l'Évangile efficace. Les instructeurs de l'Évangile efficace travaillent avec diligence. Ils souffrent depuis longtemps avec ceux à qui ils enseignent, ce qui signifie qu'ils sont patients, aimants et compréhensifs. Ils enseignent les vérités de l'Évangile dans le but pour lequel elles ont été données et non selon leur propre intention, agenda personnel. Ils enseignent par la persuasion et non par la force, ni par le charisme, ni par la corruption, mais par la persuasion. Et voilà de très bons conseils sur la façon d'enseigner avec puissance. Et il y a une autre question. Comme les Néphites, nous attendons nous aussi la venue du Messie, de notre Sauveur Jésus-Christ. Comment pouvons-nous croire et vivre comme s'il l'était déjà? J'aime beaucoup cette pensée que Jésus-Christ est un Sauveur présent, pas seulement un Sauveur futur. Il nous est possible aujourd'hui de vivre notre vie comme s'il l'était déjà là. Jésus est le Christ vivant. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a vécu il y a longtemps ou quelqu'un avec qui nous vivrons à nouveau un jour. Sa puissance, son expiation, ses enseignements, son amour peuvent faire partie intégrante de notre vie en ce moment. Et j'espère que cela nous change maintenant dans le présent. Et j'aime cette citation de Darling H. Oaks qui a dit un jour lors d'une conférence générale, et si le jour de sa venue était demain, si nous savions que nous rencontrerions le Seigneur demain, par notre mort prématurée ou sa venue inattendue, que ferions-nous aujourd'hui? Quelle confession ferions-nous? Quelle pratique devrions-nous abandonner? Quel compte réglerions-nous? Quel pardon accorderions-nous? Et quel témoignage rendrions-nous? Si nous faisons ces choses à ce moment-là, pourquoi ne les ferions-nous pas maintenant? Chers frères et sœurs, le Sauveur a enseigné dans sa prophétie de la seconde venue, béni le serviteur fidèle et prudent, qui sera trouvé s'acquittant de son devoir quand le Seigneur viendra. Le prophète Néphi a également enseigné à propos de ce jour-là que les justes n'ont rien à craindre. Et dans la révélation moderne, l'on nous promet que le Seigneur aura pouvoir sur ses saints. Les difficultés, chers frères et sœurs, nous environnent, pardon, de toutes parts. Mais avec la foi en Dieu, nous devons faire confiance aux bénédictions qu'il a promises aux personnes qui gardent ses commandements. Nous devons avoir foi en l'avenir et nous y préparer. Et pour emprunter une métaphore au monde de la compétition sportive que nous connaissons bien, nous ne savons pas quand le match prendra fin et nous ne connaissons pas le score final, mais nous savons que quand le match se terminera, notre équipe gagnera. Et nous continuerons d'aller de l'avant jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. C'est pourquoi, nous dit le Sauveur, soyez fidèles, priant toujours et tenant votre lampe prête et allumée et ayant de l'huile avec vous afin d'être prêts au moment de la venue de l'époux. Car voici, en vérité, je vous dis que je viens rapidement. Je témoigne, chers frères et sœurs, de notre Sauveur Jésus-Christ. Je témoigne qu'il viendra comme il l'a promis. Et je
prie pour que nous soyons prêts à le rencontrer. Mon deuxième joyau se trouve dans Omni chapitre 1 verset 26 qui dit ceci. Et maintenant, mes frères bien-aimés, je voudrais que vous veniez au Christ qui est le Saint d'Israël et preniez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. Oui, venez à lui et offrez-lui votre âme tout entière en offrande et continuez dans le jeûne et la prière et persévérez jusqu'à la fin. Et comme le Seigneur vit, vous serez sauvés. D'après ce verset, que devons-nous faire pour être sauvés? Venir au Christ, participer à son salut et à la puissance de sa rédemption, offrir notre âme tout entière en offrande, continuer dans le jeûne et la prière et persévérer jusqu'à la fin. Je suis très intriguée par la phrase « Offrez-lui votre âme tout entière en offrande ». Comment quelqu'un offre-t-il son âme entière en offrande? Je pense que Neil A. Maxwell l'a bien expliqué. Il a dit « La soumission de sa volonté est en réalité la seule chose unique et personnelle que nous devons placer sur l'autel de Dieu. Les nombreuses autres choses que nous donnons, frères et sœurs, sont en réalité les choses qu'il nous a déjà données ou prêtées. Cependant, lorsque vous et moi nous soumettons en laissant nos volontés individuelles s'engouffrer dans la volonté de Dieu, alors nous lui donnons vraiment quelque chose. Et c'est le seul bien que nous pouvons vraiment donner. Lorsque je réfléchis à cette citation, je ne peux pas m'empêcher de me dire que le plus grand et le seul sacrifice que nous puissions faire est notre volonté, lui offrir un cœur brisé et un esprit contrit. Comment est-ce que nous faisons cela? Une obéissance, inconditionnelle, inébranlable, dévouée et loyale à sa volonté, pleinement convaincue que ses voix sont supérieures à nos voix et que ses pensées sont supérieures à nos pensées, comme Ésaïe nous l'a enseigné dans Ésaïe chapitre 55 versets 8 à 9. Et je songe aux alliances que nous avons contractées au temple, que sont la loi d'obéissance, de sacrifice et la loi de consécration. Le sacrifice et la consécration sont deux lois célestes auxquelles nous nous engageons à obéir par alliance dans le temple sacré. Ces deux lois sont similaires, mais pas identiques. Sacrifier signifie renoncer à une chose pour une autre de plus grande valeur. Autrefois, le peuple de Dieu sacrifiait les premiers-nés de ses troupeaux en l'honneur du Messie à venir. Et tout au long de l'histoire, les saints fidèles ont sacrifié leurs propres désirs, leur confort et même leur vie pour le Sauveur. Nous avons tous des choses petites et grandes à sacrifier pour suivre plus complètement notre Sauveur Jésus-Christ. Nos sacrifices montrent ce qui a de la valeur pour nous. Ils sont sacrés et le Seigneur les honore. La consécration, chers frères et sœurs, est différente du sacrifice, au moins sur un point important. Lorsque nous consacrons quelque chose, nous ne le laissons pas sur l'autel pour qu'il soit consumé. Nous le mettons plutôt au service du Seigneur. Nous ne lui consacrons ainsi qu'à ses desseins sacrés. Nous acceptons les talents que le Seigneur nous a donnés et nous nous efforçons de les faire fructifier afin de devenir encore plus utile à l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Il sera demandé à très peu d'entre nous de sacrifier leur vie pour le Sauveur, mais il est demandé à chacun de nous de lui consacrer notre vie. Chers frères et sœurs, il y aura des moments où nous souhaiterions faire bien plus. Notre Père Céleste aimant connaît notre cœur. Il sait que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous avons à cœur de faire. Mais nous pouvons aimer et servir Dieu. Nous pouvons faire de notre mieux pour respecter ses commandements. Nous pouvons aimer et servir ses enfants. Nos efforts purifient notre cœur et nous préparent à un avenir glorieux. Si nous voulons trouver l'équilibre dans la vie et si nous voulons que le Seigneur nous élève vers le ciel, alors notre engagement vers lui et son évangile ne peut être désinvolte ou occasionnel. Comme la veuve à Jérusalem, nous devons lui offrir notre âme tout entière. Nos offrandes peuvent être modestes, mais elles doivent venir de notre cœur et de notre âme. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas juste une chose à faire parmi tant d'autres. Le Sauveur est la force motrice de tout ce que nous faisons.
Il n'est pas une aire de repos le long du chemin, il n'est pas un détour touristique ni même un grand monument. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père, notre destination finale, que par Jésus-Christ. C'est le chemin à suivre et notre destination ultime. Nous trouvons l'équilibre et nous nous élevons lorsque nous marchons résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance, une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Mon troisième joyau se trouve dans Parole de Mormon, le chapitre 1, verset 7, qui dit: Et je fais cela dans un but sage, car c'est ce qui m'est chuchoté selon l'inspiration de l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Et maintenant, je ne sais pas tout, mais le Seigneur sait tout ce qui est à venir. C'est pourquoi il agit en moi pour que je fasse selon sa volonté. Gardons à l'esprit qu'au moment où Mormon écrit ceci, il ne comprenait pas pourquoi il incluait le récit des petites plaques de Néphi en plus de son abrégé des grandes plaques. Tout ce qu'il sait, c'est que l'esprit le pousse à le faire dans un but sage. Nous savons maintenant quel est le sage dessein de Dieu, préparer le moyen de recevoir ces annales de Néphi malgré la perte, pardon, des 116 pages du manuscrit du livre de Mormon dans l'histoire de l'Église primitive. Elder Brooke Hales nous aide à comprendre la signification de tout cela. Il a dit: Les Écritures nous enseignent car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Et il connaît toutes choses, car toutes choses sont présentes devant ses yeux. Le prophète Mormon en est un exemple. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir les résultats de son travail. Pourtant, il comprenait que le Seigneur le guidait soigneusement. Lorsqu'il s'est senti inspiré d'inclure les petites plaques de Néphi dans ses annales, il a écrit ceci: Et je fais cela dans un but sage, car ainsi cela m'est chuchoté selon l'inspiration de l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Et maintenant, je ne sais pas tout, mais le Seigneur sait tout ce qui est à venir et c'est pourquoi il agit en moi pour que je fasse selon sa volonté. Bien que Mormon n'ait pas eu connaissance de la perte future des 116 pages du manuscrit, le Seigneur l'a fait et a préparé un moyen de surmonter cet obstacle bien avant que cela se produise. Chers frères et sœurs, la question que je vous demande de considérer est la suivante. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de suivre les murmures de l'esprit, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi? C'est l'une des façons les plus difficiles pour nous d'être obéissants. Lorsque l'esprit nous demande de faire un acte de foi ou de faire un pas dans les ténèbres pour démontrer notre confiance en notre Père céleste. Il existe de nombreuses façons de démontrer notre confiance. Servir une mission, même si vous ne savez pas comment vous allez remplir ces exigences. C'est payer votre dîme lorsque vous ne savez pas comment vous pourrez la gérer financièrement. C'est accepter un appel dans l'Église, même si vous ne vous sentez pas qualifié. C'est dire quelque chose à quelqu'un que vous vous sentez poussé à dire, même si vous ne savez pas pourquoi et que vous craignez que cela puisse être gênant. Obéir à un commandement ou à une norme que vous ne comprenez pas complètement ou accepter une doctrine ou une politique de l'Église qui n'a pas tout à fait de sens pour vous. Chers frères et sœurs, il existe de nombreuses occasions de démontrer ce genre de foi. Rappelez-vous simplement qu'il existe un être qui voit la fin dès le début et combien nous avons de la chance qu'il soit prêt à nous donner un aperçu de cette perspective divine à travers les murmures du Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là pour les petits livres. Comme je l'ai dit, grande vérité, petit livre, et cela conclura également mon étude de cette semaine. Mais j'aimerais inclure quelques réflexions supplémentaires sur comment être un bon dirigeant. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais voir certains enseignements que l'on trouve dans notre lecture de cette semaine, qui, comme pour être de bons parents, vont nous aider à être de bons dirigeants.
Nous retrouvons justement dans notre lecture de cette semaine et même dans celle de la semaine prochaine avec les enseignements de Mousia, des enseignements qui décrivent le genre de dirigeant que nous pouvons être maintenant. Êtes-vous un dirigeant dans certains domaines de votre vie? Votre appel actuel dans l'Église est-il une position de leadership? Êtes-vous un parent, un grand-parent, un enseignant, un mentor, un frère ou une sœur même? Si vous appartenez à l'une de ces catégories, je vous invite à apprendre. Et je pense que vous constaterez que non, le leadership ne consiste pas à dire aux gens quoi faire. Il ne s'agit pas de faire les choses à votre manière, ni d'obtenir toutes les distinctions ou la vedette. Nous allons voir ensemble, chers frères et sœurs, quelques expressions clés que j'ai pu relever qui feront de nous des dirigeants puissants. Le premier, Jérôme chapitre 1, verset 7, « Puissant dans la foi au Seigneur ». De Jérôme chapitre 1 et 11, « Travaillait diligemment, exhortant toute la grandité le peuple à la diligence. » Omni 1.12, « Averti par le Seigneur, écoutez la voix du Seigneur. » Omni 1.13, « Font ce que le Seigneur commande. » Omni 1.18 à 20, « Enseigne sa langue et interprète par le don et le pouvoir de Dieu. » Omni 1.25, « C'est un homme juste devant le Seigneur, exhortant tous à venir à Dieu et à croire aux prophéties et aux révélations. » Parole de Mormon, chapitre 1, verset 3, « Rassemble les armées et combat avec la force de son bras. » Parole de Mormon, chapitre 1, verset 17 à 18, « Un saint homme qui règne, annonçant la parole de Dieu avec puissance et autorité, faisant usage d'une grande rigueur et travaillant de toute la puissance de son corps et de ses facultés. » Il y aura des moments dans notre vie, chers frères et sœurs, où nous serons appelés à diriger, et d'autres où l'on attendra de nous que nous suivions. Mais mon message pour chacun d'entre nous aujourd'hui est, quel que soit notre appel, nous sommes toujours un dirigeant et toujours un disciple. La direction est une expression de la condition de disciple. C'est simplement le fait d'aider les autres à aller au Christ comme le font les vrais disciples. Si nous nous efforçons d'être un disciple du Christ, nous pouvons alors enseigner aux autres comment le suivre. Et nous pouvons être un dirigeant. Notre capacité de diriger ne provient pas de notre personnalité, de nos compétences, ni même d'un talent quelconque pour s'exprimer en public. Elle provient de notre engagement à suivre Jésus-Christ. Elle provient de notre désir d'être un meilleur disciple de la justice, comme l'a dit Abraham. Si nous y parvenons, et même si tout n'est pas parfait, mais que nous essayons, alors nous sommes un dirigeant. Notre devoir à présent consiste à inviter tout le monde à aller au Christ. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de recevoir des bénédictions spirituelles pour nous-mêmes. Nous devons amener les gens que nous aimons à recevoir ces mêmes bénédictions. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons aimer tous les hommes. Le commandement du Seigneur donné à Pierre s'adresse également à nous lorsqu'il a dit « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Chers frères et sœurs, regardez cette belle liste, s'il vous plaît, et soulignez-la dans vos écritures de manière à vous rappeler comment agir pour être un dirigeant puissant. Je suis reconnaissante que nous soyons toujours dirigés par Russell M. Nelson, Darling H. Hooks, Henry B. Eyring, David Abedna, Garrett Double Gong et tous les autres dirigeants que nous avons le privilège d'avoir à la tête de notre Église. Je vois également ces qualités chez les dirigeants, chez mes dirigeants, chez mon évêque Bishop Renauda. Et si je vous demandais qui est le plus grand dirigeant qui ait jamais vécu, que répondriez-vous? La réponse, bien sûr, est Jésus-Christ. Il a donné l'exemple parfait de toutes les qualités d'un dirigeant. Mais si je vous demandais qui est le plus grand disciple qui ait jamais vécu, la réponse ne serait-elle pas à nouveau Jésus-Christ? Il est le plus grand dirigeant parce qu'il est le plus grand des disciples. Il suit son Père à la perfection et en toutes choses. Le monde enseigne que les dirigeants doivent être puissants. Le Seigneur enseigne qu'ils doivent être doux. Les dirigeants du monde obtiennent du pouvoir et de l'influence grâce à leurs talents, leurs compétences et leurs richesses. Mais ceux qui dirigent à la manière du Christ obtiennent du pouvoir et de l'influence par la persuasion, la longanimité, la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère. Aux yeux de Dieu, les plus grands dirigeants ont toujours été les plus grands disciples.
Chers frères et sœurs, tôt ou tard, nous serons tous appelés à être un dirigeant. Mais être un dirigeant n'a rien à voir avec la position que nous pouvons avoir au sein de l'Église, chers frères et sœurs. Ce n'est pas notre position qui va faire de nous un dirigeant puissant. Mais c'est notre condition de disciple et notre engagement à amener les personnes qui sont sous notre responsabilité à venir au Christ. Chers frères et sœurs, cette Église est l'Église du Christ. Et il est le plus grand dirigeant, il est à la tête de cette Église. Et il la dirige aujourd'hui à travers des personnes qu'il a choisies et appelées pour nous diriger. Et je prie pour chacun d'entre vous qui êtes dirigeant aujourd'hui, que vous ne cherchez pas la gloire ni les honneurs, mais que vous cherchez la gloire et les honneurs de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste. Et qu'en tant que dirigeant, vous puissiez être les meilleurs disciples dans votre sphère. Parce que lorsque l'on vous regardera, lorsque l'on vous écoutera, on aura envie de vous suivre. Parce que vous-même, vous suivez notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu vit et Dieu nous aime. Et il n'a jamais permis que ses enfants soient abandonnés seuls sur le chemin des alliances. Il a toujours fait en sorte d'appeler et de choisir des dirigeants pour nous guider en ces derniers jours, pour prendre chacun d'entre nous et nous amener vers notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, être un dirigeant ou un disciple de Jésus-Christ ne veut pas dire que nous sommes une personne parfaite. Personne ne l'est. Alors, j'invite chacun d'entre nous à faire preuve de plus de considération, de plus de respect, de plus de soutien vis-à-vis de ces hommes imparfaits qui ont été choisis pour nous aider, nous, à devenir parfaits. Puissions-nous les soutenir, puissions-nous les aider et arrêtons de les critiquer. Arrêtons ces médisances, chers frères et sœurs. Je nous invite à réfléchir à ce que toutes ces personnes nous ont enseigné cette semaine. La loi d'obéissance, la loi de consécration, être un disciple de notre Sauveur Jésus-Christ, suivre les murmures de l'Esprit. Nous avons été merveilleusement enseignés par nos prophètes et apôtres et dirigeants lors de notre dernière conférence générale. Et la plupart des messages nous ont amenés vers quoi? Vers nos alliances, chers frères et sœurs. Et parmi ces alliances que nous avons contractées avec le Seigneur dans sa maison, l'on nous demande d'éviter toute médisance contre les soins du Seigneur. Cessons ces choses. Concentrons-nous sur nos alliances, sur notre engagement. Posons-nous les questions, remettons-nous en question, chers frères et sœurs. Est-ce qu'aujourd'hui je fais ce qu'il faut pour être un disciple de notre Sauveur Jésus-Christ et pour inviter ceux qui sont autour de moi à suivre le Christ et à venir à lui? Si ce n'est pas le cas, chers frères et sœurs, changeons. Changeons. Tournons-nous vers lui. Puisons notre force et le soutien nécessaire dans les Écritures, dans les paroles de nos prophètes, dans nos révélations. Mettons-nous à genoux et demandons au Seigneur de nous aider. Et je sais au plus profond de mon âme que Dieu nous aidera. Si Dieu devait choisir des personnes parfaites pour diriger son Église, il n'y aurait personne, chers frères et sœurs. Travaillons ensemble. Ce n'est pas l'œuvre de tel ou tel évêque ou de tel ou tel président de pieux ou de tel ou tel 70. Il s'agit de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ. Et la question que nous devons nous poser, quelle est ma participation dans cette œuvre?
Je vous invite à méditer sur toutes ces choses et je vous témoigne que Dieu vit, qu'il nous aime, que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur et que tous deux ont besoin de chacun d'entre nous. Alors, revoyons notre position en tant que disciples, en tant que dirigeants et faisons ce qu'il faut pour que le Seigneur puisse compter sur chacun d'entre nous et puisse nous dire le jour où nous le verrons, tu as été un bon et fidèle serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end, chers frères et sœurs. J'ai hâte la semaine prochaine parce que l'on va découvrir mon livre préféré de tout le livre de Mormon et mon roi préféré. Prenez soin de vous, bonne lecture, bonne méditation et je vous dis à bientôt. Bye.